Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Vanier. Merci, en tout cas, de votre accueil. Ben, ça fait plaisir. Grip Pharma est une jeune association de 33 ans et qui rassemble des membres de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de la distribution et des prestataires de services pour tout ce qui est produits thérapeutiques. Les produits thérapeutiques sont des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux ou des produits de cosmétiques ou de compléments alimentaires. UCB Pharm, une entreprise pharmaceutique dans le domaine également de la biologie. On répartit notre production dans le domaine de l'allergie, de la neurologie, spécialement l'épilepsie, et puis un produit biologique pour soulager les problèmes reliés à l'arthrite rhumatoïde et les problèmes d'inflammation en général. Les objectifs et la mission principale du Grip Pharma, c'est de défendre les intérêts de ses membres, notamment en donnant l'avis sur des modifications de textes ou sur des nouveaux textes de loi auprès des autorités de santé que sont par exemple Swissmedic ou l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Et c'est une des missions principales et de faire le porte-parole en fait de l'industrie et de la distribution et des prestataires de services romands qui sont actifs dans les sciences de la vie. Et ça permet justement, notamment aussi au sein du GRIP, d'avoir des groupes de travail qui sont extrêmement vivants. Plus on est autour d'une table, plus on peut émettre des idées, puis mieux on va pouvoir s'organiser et puis mieux performer à la fin. Donc pour nous, je crois que c'est important. On est tout à fait ravis d'être hébergés régulièrement par la Chambre de commerce.